je vais aller m'asseoir. Vous avez commencé là? Oui. Mais c'est pas grave, je vais couper au pire des cas. D'accord. Bon, on va faire. J'en suis pas si certain. Ah bon? J'en suis pas si certain. Je pense que vous avez vu que des millions de Français ont été privés de leurs heures supplémentaires au mois de septembre. Oui, ça j'ai vu. Vous avez vu, le changement c'était pour maintenant, ben, c'était clair. Oui, c'est plus tard le changement. Voilà, donc peut-être que les Français ne sont pas dans la rue, mais chaque semaine qui passe, en fait, leur apporte... que des désagréments supplémentaires grâce à notre nouveau président qui manifestement est incapable de gérer la crise, contrairement à ce qu'il nous avait promis. Alors, attends, d'abord, première chose, moi je fais mon travail de journaliste, d'accord? Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un ministre de l'économie, je ne suis ni ministre ou sous-secrétaire d'État au budget. Donc, je ne vois pas en quoi, si vous voulez, les mesures que j'ai à donner, si vous voulez, intéressent les gens. Je ne pense pas être légitime pour ça. Première chose. Oui, mais vous êtes vachement écouté. Non, mais d'accord, mais ça, c'est une première chose. Moi, je n'ai jamais parlé en disant « faut faire ceci, cela hein, ». Ça fait quand même 4 ans, non, ça va faire maintenant 5 ans, que je préviens les Français d'une crise absolument épouvantable qui va arriver. Enfin, je vous signale qu'au début, tout le monde me prenait pour un dingue. Hein, parce que ça datait du mois de février 2008. Hein, donc à l'époque, il n'y avait personne pour dire qu'une crise allait arriver et tout allait bien. Et quand la crise a eu lieu septembre 2008, vous avez toute la clique du journal Le Monde, Alain Minc, et tous les journalistes, y compris Roche et d'autres, qui disaient que la crise allait durer 3 mois, que c'était juste une question de confiance, je vous le rappelle. Donc, en tant que journaliste, j'estime avoir apporté suffisamment d'informations pour prévenir les Français. De ce côté-là, je pense avoir fait mon boulot. Maintenant, en ce qui concerne les mesures pour changer ça, il n'y en a qu'une seule. Je ne sais pas si elle est applicable, mais toujours est-il, si vous voulez, que quitter l'Europe, quitter l'euro, donc ça c'est numéro 2, et revenir à un standard financier, c'est-à-dire un standard or, est l'obligation ultime pour équilibrer les finances entre les différents pays. Je n'en vois pas d'autres. Comme ce qu'a voulu faire Kadhafi en Libye. Je ne sais pas. Écoutez, moi, c'était tout ce Kadhafi, si vous voulez, c'était un vague projet. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Kadhafi en parler, d'avoir fait un grand discours, de nous prendre une conférence de presse. Tout ça, c'était... Enfin, cela dit, il n'y avait pas que Kadhafi. Hein, je suis pour un retour au standard or avec un léger retard, parce qu'il faut bien entendu il y aura une période d'ajustement, mais de toute façon c'est inévitable. D'ailleurs on voit de plus en plus sortir des rapports depuis à peu près 15 jours, que ce soit de la Bundesbank, que ce soit de la Banque d'Angleterre, comme quoi le retour au standard or fonctionnerait beaucoup mieux que le standard papier. Les mecs, ça leur a pris 30 ans pour découvrir ça. Non mais c'est fabuleux. Non mais c'est quand même absolument fabuleux. Vous savez, moi, techniquement, je suis un élève, entre guillemets, du professeur Antal Fekete. Je suis son traducteur également. Mais je suis totalement... je soutiens véritablement ces analyses, parce qu'elles sont... elles étaient visionnaires, bien avant tout le monde. Hein, ça fait quand même... C'est un homme qui se bat quand même depuis plus de 30 ans pour le retour au standard. Qu'est-ce que ça m'impire? Mais attendez, vous avez un homme extrêmement connu aux États-Unis, c'est un homme de Las Vegas qui s'appelle Steve Wynn, hein, qui est le patron d'une chaîne de casinos, hein, donc qui est extrêmement écouté sur toute la côte ouest américaine. Et il a déclaré il y a exactement 3 jours, si mes souvenirs sont bons, que ce que fait M. Ben Bernanke est exactement ce que faisait M. Madoff. Donc si maintenant vous avez des Américains extrêmement en vue qui commencent à dire que l'Amérique est une escroquerie ambulante, je veux dire, posez-lui la question directement, je pense que vous serez mieux informé. Hein, mais toujours est-il, le dollar est une escroquerie monumentale. Ils en sont à leur troisième planche à billets.
troisième plan officiel, troisième planche à billets. Hein, et ils viennent de racheter, je l'ai dit dans ma revue de presse il y a une semaine, hein, ils viennent de racheter pour 3,5 milliards de dollars d'immeubles et de châteaux en France. Alors, vous savez, moi, avec une planche à billets, avec ma photocopieuse, avec ma Lexmark, hein, je vais racheter les toiles. Hein. Hein, on va racheter les Champs-Élysées. Allons-y. Vous savez, le scandale, c'est que vous avez des hommes politiques comme François Hollande, vous avez des ministres des Finances comme Moscovici et les autres, vous avez Strauss-Kahn aussi qui était ministre de l'FMI. Ça ne choque personne que les États-Unis balancent pour des dizaines, voire des centaines de milliards de photocopieuses, qu'ils rachètent le monde avec. Ça ne dérange strictement personne. C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Vous aussi avec votre photocopieuse, hein, les gens qui vous regardent, ils peuvent racheter toutes les boutiques, les machins, etc. Hein ? Allons-y, non. Mais nous, en Europe, moi je signale que vous payez avec votre travail. Hein, puisque la Banque Centrale Européenne n'a absolument pas le droit à la planche à billets, je vous rappelle. Hein. Et ça, vous remerciez Valéry Giscard d'Estaing et sa loi du 3 janvier, qui a été incluse dans le traité de Maastricht. Voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne le dollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des hommes politiques, des gens qui sont censés représenter la France, qui acceptent que les États-Unis nous payent avec de la monnaie de singe. C'est quand même assez fabuleux. Hein. Je vous signale que La planète des singes, c'est une œuvre littéraire de M. Pierre Boulle, si mes souvenirs sont bons. Hein, et que c'est quelque chose de post-apocalyptique. Mais là, on s'y approche, puisqu'on l'Amérique paye le monde entier hein, avec de la monnaie de singe. Donc il y a quelque part une sorte d'équilibre. Mm-hmm. Pour vous ? Non, mais ça vous choque pas, ça. Ça vous choque pas qu'ils fabriquent non, mais c'est quand même extraordinaire. Non seulement ça, ce qui me choque, mais qu'en plus que les journalistes sur France 2, hein, monsieur François Langlais, ont expliqué aux Français que les Américains ne font pas de planche à billets. C'est merveilleux. Oui, à la seule condition qu'ils adoptent, le standard, hein, bien sûr. D'accord. Et vous pensez que la Chine, comme le Japon, la comme Chine la Russie se dirige droit vers le standard. Tout comme la Russie, l'Iran, etc. La Russie était effectivement la banque centrale russe depuis plusieurs années maintenant fait des achats colossaux de... Elle rachète sa propre production minière. Mais c'est ce que fait légalement la Chine. Hein. Vous savez que la Chine a quand même fait une mainmise, si vous voulez, sur l'ensemble des mines africaines. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez à l'autre bout du monde, dans un endroit qui s'appelle la Papouasie, ça fait très exotique, on dirait un roman d'aventure du 18e siècle ou du 19e siècle. Et je me souviens que la Chine a littéralement colonisé la Papouasie, oui, parce que vous avez une concentration de mines absolument phénoménale, avec non seulement de l'or, de l'argent, mais également de ce qu'on appelle les métaux rares, qui rentrent justement dans la composition d'ordinateurs comme, et surtout des téléphones Apple, et enfin d'autres téléphones d'ailleurs. C'est quand même assez extraordinaire, si vous voulez, que les Chinois, il faut vraiment qu'ils soient violés et que leurs femmes soient violées pour qu'ils se révoltent. C'est absolument fascinant. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'un journaliste du Independent. C'est un Chinois hein, qui s'est engagé hein, en tant qu'ouvrier chez Foxconn. Hein, et il a décrit... etc. où ils sont, je ne sais plus, 50 ou 100, avec des vitres, avec les fenêtres grillagées, etc. Enfin, je veux dire, c'est plus... les gens qui fabriquent les téléphones Apple, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage détourné. Non, elle n'a pas du tout commencé le 11 septembre, absolument. Elle a commencé bien plus tôt que ça. La guerre économique a commencé à partir du moment où les Américains ont fait un défaut de paiement sur leurs obligations en or le 15 août 1971. Voilà. C'est là où la guerre économique a commencé. D'accord. Je vous donne un exemple typique. Lorsque les Français et les Anglais ont mis au point le Concorde, et lorsque les Américains ont vu que ça allait littéralement détruire leur industrie aéronautique, qu'ont-ils fait ?
Ah bon, tiens, ils ont voté une loi en disant que le Concorde faisait trop de bruit lorsqu'il passait le mur du son. Hein. Parce que, évidemment, ça empêchait la France de vendre des Concordes aux compagnies américaines, parce que vous pouviez relier New York à Los Angeles en l'espace de 2 heures. Ce qui était intéressant, en effet. Et donc, le Concorde a été interdit pendant 30 ans, voilà. Ça, c'est les États-Unis. C'est une bande d'enfoirés. C'est tout. C'est pas nouveau, je veux dire, c'est... Ils ont fait un défaut de paiement en or parce qu'ils ont imprimé infiniment plus de dollars qu'ils n'avaient d'or dans leur stock, dans leur coffre, pardon, à Fort Knox. Alors que par le règlement de Bretton Woods, ils étaient obligés d'avoir autant d'or, enfin d'imprimer exactement autant de dollars qu'ils avaient d'or. C'est pas compliqué. Justement, vous avez des gouvernements corrompus, comme celui de la France, par exemple. Je vous donne un exemple. Le scandale du Libor, j'en ai parlé maintes fois. Dans le scandale du Libor, vous n'avez eu aucune action en justice, n'a été décidée par le ministère, par la place Vendôme. Qui a décidé ça? Non, je vous dis qu'il n'y a aucune décision, justement, de poursuivre les banques responsables de la tricherie sur le taux du Libor en France. Alors que même le gouvernement américain, le gouvernement anglais et d'autres ont commencé à faire des procès donc aux banques responsables, donc, notamment HSBC et également d'autres, qui ont truandé le Libor, le taux du Libor. Le gouvernement français, aujourd'hui, n'a pas bougé d'un iota. Évidemment, c'est très gênant, c'est très embêtant, c'est un scandale absolument immense. Vous pensez que c'est équivalent à l'amiante de l'époque? Bien sûr. Non, mais c'est pire que l'amiante. Mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, je veux dire, ça porte sur des centaines de milliards. Ah, si, je me rends compte, évidemment. Enfin bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde fait confiance aux Américains, simplement. Regardez, même les Suisses ont fini par vendre leur stock d'or, 1300 tonnes. On vient de l'apprendre il n'y a pas très longtemps. Vous trouvez ça normal? Le plus grand financier de la planète, les Suisses. Le plus grand banquier de la planète, les Suisses. Qui se débarrassent, qui ont vendu tout leur stock d'or, quasiment, entre 2000 et 2005. Au même moment, grosso modo, quand Sarkozy a vendu les 600 tonnes d'or de la France. Arrêtez de faire votre la fine bouche, ça a même fait l'objet de plusieurs questions de députés à l'Assemblée nationale. J'en ai entendu parler, justement. Non mais c'est pas qu'on entend parler, si vous voulez, c'est juste vérifier les faits, mais c'est pas la question là, c'est fait. Tony Blair a vendu 400 tonnes. Ça fait quand même régulièrement maintenant la une de la presse anglo-saxonne. Mais à qui il les vend? Ça, c'est une excellente question. Hein, où est parti cet or? Ah oui, il faudrait peut-être chercher du côté du Moyen-Orient. Vous voyez? Ouais. Hein? Oui, du côté après le Liban. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays après le Liban? Oui, il y en a quelques-uns. Hein? C'est intéressant. C'est très intéressant. Je signale d'ailleurs que le thème du dernier film de Polanski, c'est justement le fait que Tony Blair soit un agent de la CIA. Hein. Tout son film porte là-dessus. Quand vous regardez ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, première chose qu'il a faite quand il a élu, c'est immédiatement réintégrer la France dans l'OTAN, violant intégralement tout le principe gaulliste, dont il se prévalait, bien sûr. Oui, bien sûr, mais qui s'est foutu royalement après. Évidemment, une fois qu'il a été élu, oui, il a bazardé tous les intérêts de la France. Mais je vous signale que quand il a vendu l'or des Français, il était ministre du budget, ou de l'économie, je crois que c'était budget. Donc ça fait déjà 2000 tonnes. Si vous additionnez les 400 tonnes anglais, 600 tonnes de la France, plus les 1300 de la Suisse, ça fait 2300 tonnes. C'est colossal. 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 Oui, c'est sûr qu'on ne va pas planquer ça dans une cave. C'est clair. Je ne m'aventure pas là, je dirais 6 millions. 6 millions? En France, oui. D'accord. Parce que... Mediapart donne 1,7 million de plus que le chiffre officiel donné par le gouvernement. D'accord. Donc en fait, techniquement, on est d'accord. Je donne 6 millions. 6 millions? Oui. D'accord. 6 millions de chômeurs en France aujourd'hui. Justement. De vrais chômeurs, j'entends. Bien sûr. Je veux dire, si on enlève les gens qui cherchent du travail éjecté parce qu'ils cherchaient du travail depuis trop longtemps, parce que le Pôle emploi, il y a des techniques absolument remarquable pour éjecter. On a plusieurs interviews de gens qui travaillaient au Pôle emploi qui l'expliquent très bien.
Vous savez, Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président de la République, avait dit, je crois que c'était en 74 ou 75, si mes souvenirs sont bons, il avait dit, si jamais on dépasse le cap des 500 000 ou des 600 000 chômeurs, il y a une révolution en France. Il n'y a pas de révolution parce que ces gens sont payés. Les gens sont payés. À rien foutre. À rien foutre. Et finalement, les gens découvrent, c'est la tristesse de la chose, les gens découvrent, si vous voulez, que finalement être payé à ne rien faire, c'est très bien. Certains. C'est très lucratif. Lucratif, je ne sais pas. Enfin, lucratif pour certains. Donc, en revanche, ce dont je suis sûr, enfin, je ne suis pas le seul, c'est que à partir du moment où le gouvernement ne pourra plus payer, vous savez, comme en Angleterre, aujourd'hui, ils ont enlevé toutes les prestations familiales, par exemple. Si vous avez des enfants, etc., vous ne touchez plus aucune aide, quelle qu'elle soit, en Angleterre. En France, on va y venir. À partir de ce moment-là, il viendra un jour où le gouvernement ne pourra plus payer les chômeurs. Entre le RSA, entre les gens qui sont au RSA, entre les gens qui sont au RMI, plus les chômeurs, je ne sais pas si vous imaginez, c'est un pays qui est devenu complètement fou. Je veux dire, je ne sais pas combien, d'ailleurs, sincèrement, je ne sais pas combien de temps le pays va pouvoir tenir comme ça. Il suffirait simplement, si vous voulez, qu'il y ait une attaque littérale de la part des marchés financiers sur le bon du Trésor pour que nos taux, si nos taux augmentent, hein, on commence à passer à 3-4%, voire 5%, à partir de ce moment-là, je ne donne pas cher de la paume à France, parce qu'ils ne pourront pas payer les chômeurs, les RMistes et les RSA et je ne sais quoi d'autre. Ça deviendra strictement impossible. Regardez ce qui se passe en Espagne. Regardez ce qui se passe en Grèce. Justement, en Grèce, Angela Merkel a été accueillie et surtout entourée de plus de 6000 policiers et accueillie avec des drapeaux nazis et des personnes qui se déguisaient en mode hitlérienne. Oui. Et justement, le Bild a fait la une en disant « Je suis venu, j'ai vu, je suis reparti ». Vous en pensez quoi, vous, de l'Allemagne, de ce que fait l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce ? La position de l'Allemagne est extrêmement simple. Ce que vous voyez, la crise qu'il y a entre l'Allemagne et la Grèce, donc c'est une crise nord-sud, c'est grosso modo la même chose, portée sur un autre plan, par exemple sur le plan footballistique. C'est l'affrontement Paris Saint-Germain-Marseille. C'est exactement la même chose. Ce sont les gens riches, donc le nord, hein, qui va affronter le plouc du sud. Vous avez exactement la même chose en Italie. L'Italie du Nord est extrêmement riche. Et lorsque vous avez des matchs de football avec l'Italie, avec des. Vous avez genre Palerme, c'est les riches qui vont affronter les pauvres. Donc ça prend toujours des tournures absolument extraordinaires. C'est chargé, c'est quasiment manichéen comme un. Et oui, on avait la visite d'Angela Merkel, si vous voulez, c'était un peu la visite du Seigneur. Chez le paysan du coin, quoi. C'était ça. Ça va faire plaisir aux Marseillais et aux Grecs. Aujourd'hui. Oui, mais c'est pas nouveau. Hein. Je vous signale que les Allemands veulent récupérer Corfou. Enfin, une partie. Les Allemands caressent une vieille idée que de récupérer une ou deux îles grecques. Ça leur déplairait pas, ça. De mettre un drapeau allemand dessus. Également la retraite dans les pays socialistes. Je veux dire, n'oubliez jamais une chose. Je veux dire, aujourd'hui, on est en 2012, mais au moment où toutes ces lois ont été votées, elles ont été votées dans les années 50-60. À l'époque, quand vous aviez déjà 50 ans, vous étiez proche de, je veux dire, pas, vous étiez pas proche de la mort, mais vous étiez pas loin. Les gens de 50 ans aujourd'hui n'étaient pas du tout les mêmes que ceux qui avaient 50 ans dans les années 50 ou 60. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, mais bien sûr. On est bien d'accord. On est d'accord. Mais aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps, beaucoup plus fraîchement. À 50 ans, on est aussi quand même en pleine forme. Je ne comprends pas pourquoi, comme en France, hein, il y a des personnes qui restent crampées sur le fait « Non, je veux ma retraite à 55 ans. » Je pense que pour des gens... Enfin, j'en sais rien. Bon, ça, il y a des gens qui sont crampés, vous savez... Mais c'est comme ça qu'on fait couler un pays. Non, c'est pas comme ça qu'on coule un pays. On coule un pays simplement en acceptant que l'Amérique vous paye avec une photocopieuse. Oui, là, vous payez... Hein, là, vous coulez un pays. Hein. Mais c'est pas parce que vous avez une petite partie de la population, quelques fonctionnaires. Vous avez les militaires qui, au bout de 20 ans, prennent leur retraite. Elle est légitime, leur retraite. Pourquoi voulez-vous leur retirer ça ? Vous avez les pompiers qui ont passé toute leur vie à risquer leur vie, justement, concrètement, qui prennent leur retraite. Je veux dire, c'est légitime.
ça me paraît légitime. Vous savez, le fait que vous avez quelques fonctionnaires qui prennent, je veux dire, c'est pas tout le pays non plus. Et puis vous avez des gens qui... Attendez, je vous signale quand même que tout le monde ne veut pas prendre sa retraite à 50 ans. Faut pas rêver, hein. Ça, c'est tout à fait... et puis c'est pas à 50 ans. En France, je vous signale que ça a été quand même... c'était à 60. Hein, et à condition que vous ayez travaillé, vous ayez commencé... Mais ça, c'est une arnaque. Hein, ça, c'est simplement parce que les fonds de retraite français... enfin, ceux qui gèrent, pardon, les retraites des Français, ceux qui ont cotisé, ont été ruinés le 29 septembre 2008. C'est pour ça qu'il a voté cette loi de toute urgence. C'est pas du tout pour... c'est rien du tout. Il a fait la demande des marchés financiers. Les Espagnols sont en train de le faire seulement maintenant, je vous signale, à la demande des marchés financiers. Sarkozy a été le chien, le caniche des marchés financiers. Berlusconi ne l'a pas été, il a refusé. Regardez ce qui lui est arrivé. Hein, ils ont fait une attaque en règle sur l'Italie, ils ont fait flamber littéralement leur taux de bon du trésor, et il a été obligé de partir. Évidemment, attendez, je vous signale que la première chose qu'ils ont demandé, c'est à ce que l'Iran soit éjecté du système international SWIFT. Vous savez ce que c'est ? Non, SWIFT, non. Alors, c'est important pour vous, SWIFT, hein, oui. Je vous signale. C'est toute banque qui existe dans le monde appartient, si vous voulez, est obligée d'adhérer, pardon, à un réseau, on va dire télégraphique, parce qu'au départ c'était télégraphique, ensuite c'est les Telex, etc. Vous voyez, qui font que quand une banque envoie un ordre de virement, hein, par exemple, je ne sais pas moi, la BNP, Nedvagram, envoie un ordre de virement à une banque à Londres ou en Italie, ça spécifique qui est SWIFT. Hein, personne d'autre n'y a accès, il n'y a que les banques. Et donc, toutes les banques ont accès à ce réseau. Hein, et que les banques. À partir de, et je vous signale, c'était l'année dernière, l'Iran a été éjecté de SWIFT. À la demande des États-Unis. Pardon, à la demande conjointe, bien entendu, des États-Unis et de l'Europe, sachant que l'Union européenne est le chien, le caniche, là aussi, hein, des Américains. Le chat. Non, le chien. D'accord. Le caniche. D'accord. Qui obéit. Un chat, ça n'obéit pas. Ça, je peux vous le dire. Je faisais allusion au chat d'Iran, en même temps qu'il était aussi... Oui, mais il n'y a plus de chat d'Iran, hein, je vous signale. Mais justement... Le chat d'Iran a été malheureusement un pantin de la CIA, enfin, malheureusement pour lui, et ça lui a coûté très cher. On la détente, votre pote. Hein. Bah, oui, en 2007, on est en quelle année, rappelez-moi ? Oui, on est en 2012. Et voilà. Moi, ça ne fait que 9 mois que je le connais. D'accord, donc, okay. Voilà. Hein, c'est, non, mais j'aime beaucoup ce genre de personnage qui vous explique, enfin lui ou d'autres, les Toati et compagnie, vous savez, qui vous explique tout ça. La crise était c'était au 15 août, hein, au 15 août 2007, que la BNP a frôlé effectivement la faillite, enfin une partie parce qu'ils ont empêché des clients de retirer les fonds, hein, suite à l'effondrement de produits qui étaient basés sur les subprimes. Hein, mais l'hécatombe aux États-Unis, enfin pour les banques, pardon, a commencé en 2006. C'est en 2006 précisément, si vous lisez mon livre Black Masters, que la JP Morgan s'est débarrassée de toutes ses subprimes. En 2006 déjà, la crise était là, mais elle était cachée au public. De la même façon qu'aujourd'hui, on cache énormément, les banques cachent énormément, elles ont caché leur faillite, elles le masquent. Et les révélations, si vous voulez, de demain, en fait, ce sont les choses qui se passent aujourd'hui, dont on ne parle pas, ou très peu. Pourtant, si vous regardez bien la presse financière, vous le voyez. Un homme, etc., qui a eu le génie quand il a vu pour la première fois un modem, hein, les premiers modems sur les, il a compris qu'on pouvait passer des ordres de bourse et même obtenir les cours de Wall Street, hein, en direct. Hein, donc il a eu l'idée d'inventer un terminal avec les premiers ordinateurs. C'est ce qui a fait qu'il est devenu très riche, mais de manière légitime, par une idée absolument géniale. Ça s'appelle le terminal Bloomberg. Entre-temps, il est devenu tellement riche qu'il a un empire de presse qui s'appelle Bloomberg. Hein, donc c'est un groupe de presse avant toute chose, hein, de données. Et M. Bloomberg, lui, est devenu maire de New York.
Donc vous voyez, c'est deux choses. Ce que je pense de Bloomberg, écoutez, c'est, Bloomberg est très important parce que c'est une des sources d'informations financières. C'est grâce à Bloomberg, entre autres, qu'on peut voir ce qui se passe. Et moi, vous devrez peut-être vous en prendre plus aux journalistes. Les gens n'y sont pour rien. Les gens se reposent sur des hommes politiques, éventuellement sur des journalistes pour être informés. Si les journalistes ne leur donnent pas les informations, ça c'est une autre paire de manches. Mais justement, poser la question aux journalistes des Échos, de la Tribune, surtout du Figaro, pourquoi ils n'ont pas informé les Français ? Ça, c'est une question légitime. De toute façon, aucune. Si les banques coulent, enfin, elles ont déjà coulé, je vous signale, hein, elles ont été sauvées. Elles ont quand même été sauvées en 2008, hein, en toute discrétion. Hein. Vous avez peut-être oublié tous les mariages et fusions qu'il y a eu entre caisses d'épargne et différentes banques en 2008, voulues par Sarkozy à toute vitesse, et les prêts qui ont été faits aux banques. Hein, donc, le gouvernement français a donné ses garanties personnelles, hein, le peuple français, quand même, hein, a garanti toutes ces putes de banques, hein, alors qu'elles étaient déjà en faillite. Hein, quand on me demande quelles sont les. Ces banques sont déjà en faillite. Elles sont déjà en faillite. Quand les banques empêchent les gens de retirer. Hein, j'ai vu. Allez sur le blog, vous donnez une somme supérieure à 300 euros. Une agence, je ne vous dis pas toutes, hein, mais vous avez la preuve sur mon blog. Vous allez sur quotidien.com, vous allez voir la photo du lecteur. Non, mais de toute façon, là où j'habite, même la poste ne permet plus de retirer plus de 500 euros. Et ben voilà! Donc, quand les banques vous empêchent de retirer tout votre argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont déjà en faillite. C'est aussi simple que ça. Ça n'existait pas avant 2007. Pourquoi justement les gens... Ça n'existait pas. Moi, je pouvais aller dans une banque, vous partez en vacances, vous partez en reportage. Je me souviens avoir demandé 4000 euros pour un reportage à mon journal. Ils me les ont sortis. Comme ça. Et il n'y avait pas besoin de prévenir le directeur de l'agence 48 heures à l'avance, ni une semaine, ni deux heures. Ils les avaient dans leur coffre. Mais maintenant, c'est fini, ça. Pourquoi les gens ne vont pas dans leur banque et aller retirer leur argent? Mais attendez, mais vous me demandez pourquoi les gens? Mais moi, je ne suis pas les gens. Mais c'est pas je suis un journaliste. Mais justement, à votre avis. La désinformation du peuple est quand même assez effrayante. Enfin, vous le voyez, vous-même. Sur votre blog, vous l'avez constaté, me semble-t-il. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, je ne suis pas les gens et je ne... cela dit, excusez-moi, mais depuis deux ans, en France, on voit quand même une fuite des capitaux. Donc le fait que Madame Michu, Madame Dupont ou Monsieur Martin n'aillent pas retirer ces 3000 euros ou un peu plus d'économies est une chose. En revanche, je peux vous dire que les grandes fortunes, elles, sont soit déjà parties, sont déjà en train de le faire. On l'a vu au cours de ces trois dernières semaines, on a vu un certain nombre de gens décider de s'installer en Belgique, d'autres qui s'installent, les meilleurs amis de M. Sarkozy, hein, M. Clavier, hein, d'un seul paf, ils s'installent à Londres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être taxés, tout simplement. Ça s'appelle des fuites de capitaux. Là, vous le voyez bien. C'est devant les Français. Et ils ne veulent pas. La presse ne montre pas. Un TF1 ni France 2 n'en a expliqué son départ comme une fuite de capitaux. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Oui, mais le général de Gaulle le disait lui-même, les Français sont dévots. Le temps que ça rentre dans leur cerveau, je pense que. Il y a quand même de l'eau qui va couler sous les ponts et il y a des banques qui vont faire faillite. Enfin, écoutez, ne résumez pas le général de Gaulle simplement à cette phrase qui était sortie en plus de son contexte. Mais cela dit, effectivement, le temps de réaction des Français aujourd'hui est absolument consternant. Je ne comprends pas bien, surtout avec 6 millions de chômeurs, ça devient quand même inquiétant. Surtout avec tous les budgets qui ont sauté, etc. Vous savez, c'est pas mieux en Espagne, c'est pas mieux en Italie. Vous savez, je pense que c'est surtout la télévision qui fait que les gens se détournent des vrais problèmes. Quand vous voyez qu'un pays comme l'Angleterre, que quasiment 80% des Anglais se sont réunis autour de leur poste pour savoir si une Loana Bis allait gagner Secret Story, vous vous dites que finalement les problèmes financiers du pays n'ont strictement plus aucune importance.
vu comme ça, c'est pas faux.